Comme chef d'orchestre, moi j'aime un orchestre qui est techniquement très très bien et qui est très musicien. Parce que la combinaison est importante. Si on est très musicien mais on ne peut pas jouer, c'est grave. Si on peut que jouer mais on n'est pas musicien, c'est aussi grave. La plupart, je connais bien, je connais pas, pas nom et je dis pas Monsieur Premier Hautbois, mais je dis Jérôme. Ça marche bien. Non, je pense musique et harmonie. Et si on n'aime pas de jouer ensemble, dans ce cas, il n'arrive pas quelque chose qui était émouvant, qui était exceptionnel. Et naturellement, un concert doit être pas une CD, quelque chose qu'on peut reproduire plusieurs fois, mais ça, c'est un moment, on doit être là et on voit les musiciens, oh, ils ont grand envie de jouer et le résultat est comme ça. Un requiem de Mozart, oui, ça c'est. Qu'est-ce qu'on peut faire meilleur que ça? Grande musique et une grande joie. D'être capable, je vais être autorisé de exécuter cette musique-là. En Italie, on dit capolavoro, un chef d'œuvre, vraiment une œuvre fantastique, émouvant, pas uniquement parce que le compositeur était mort avant de finir l'œuvre. Au début, c'est spécial de travailler ensemble avec sa fille, une des trois filles que j'ai. Et dans ce projet-là, avec le Requiem, il y a mon épouse qui joue aussi, c'est toute la famille, tout le mafia Copland qui est à Lyon maintenant.